Comme vous le savez, l'instruction de la femme en particulier est le socle du développement durable de la société humaine. C'est pourquoi chaque femme doit s'inspirer de l'expérience du passé et de celle de leur leader. Cependant, c'est naturellement à elle qu'il appartient de déterminer la forme de l'instruction ou la formation en fonction de sa vision. Femme excellente est un concept dédié aux femmes et particulièrement aux femmes congolaises. L'objectif de Femme excellente, c'est de reconstruire une image positive de la femme et de garantir un soutien permanent auprès de son secteur d'activité. Afin d'établir un programme riche pour la femme, nous sollicitons vivement l'assistance et la franche collaboration de tous, et particulièrement aux leaders du pays et d'ailleurs. Merci pour votre attention et votre collaboration. Voici Femme excellente. Bonjour. Vu l'essor dans différents secteurs d'activité nationale et à l'action attribuée à la femme congolaise pour le développement durable de la société humaine, une émission, La Quête d'Excellence, a cette intention. Ne ratez pas ce moment fort d'échange au thème d'actualité et des orientations responsables face à un avenir meilleur de notre pays. Salut! Retrouvez-nous dans la tranche d'actualité dédiée à la femme congolaise, construite autour des reportages, interviews et des images sur les thèmes récurrents. À bientôt sur vos écrans. Bonjour. La connaissance est moyen clé d'une véritable prospérité nationale. Un film documentaire dédié à la femme congolaise chaque mois est ce que sa rediffusion. Restez branché sur le programme des femmes excellentes. Mbote Nabino. Moi, c'est Luba. Et monsieur, je suis ma maman. Oui, je suis ma maman. Bonjour. Vu l'essor dans différents secteurs d'activité nationale et à l'accent attribué à la femme congolaise pour le développement durable de la société humaine, une émission, La Quête d'Excellence, a cette intention. Ne ratez pas ce moment fort d'échange. Au thème d'actualité et d'orientation responsable, face à un avenir meilleur pour notre pays.